Ah que coucou bien le bonjour, tout le monde c'est moi Néo pour une nouvelle vidéo. Et oui c'est l'épisode 39 et oh j'avais pas de rime en haut, y'a un squelette en bas, je vais le défoncer et l'attaquer d'en haut. Je vais prendre mon arc avec infinité, je vais pouvoir lui tirer dessus sans m'approcher. Et oui tu vas voir, je vais te sniper, une flèche va suffire à te tuer. Eh ben non parce que t'es reculé et du coup faut que je tire plus loin encore. J'espère que vous allez bien pour l'épisode numéro 39 de l'aventure continue saison 2. Allez, rack! Allons tuer du squelette. Nous allons allons tuer du squelette. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais c'est pas grave. Pour la simple et bonne raison qu'il nous faut des os. Des os. Et je ne parle pas de l'endroit où il y a plein d'animaux dans les cases. Je parle bien des os. Des os. Avec un S. Comme. Supa. Supa Saiyajin. Alors toi déjà, toi tu m'approches pas, voilà, et voilà. Alors toi qui es mort, as-tu laissé des équipements? Pas du tout. Il nous faut de la poudre d'os pour faire grandir le deuxième Big Akajou qui a pas l'air de grandir parce que je pense que la position n'est pas optimum. Donc il me faut du squelette, s'il vous plaît. C'est une zone très dégagée, donc je pense que je peux trouver mon bonheur. Genre en face, voilà, en plus avec les chaleurs, je vois pas grand-chose malheureusement. Ce n'est pas très grave, je vais pouvoir y arriver et les défoncer. Alors avec de la bouse, je veux bien. Ah, par contre, il y a beaucoup de squelettes du coup, ça tombe bien. Alors par contre, j'ai plus de régène. Ah, des os. Donne-moi des os. Parfait, tapez-vous dessus en plus, ça serait nickel. Oh, génial, j'ai looting ou pas? Je ne sais pas si j'ai loot. Non, tranche en deux, recule 1, c'est un peu de la merde. Ok, on a un petit peu d'os. Là-bas, il y en a encore. On va continuer à en prendre. Hein. J'ai l'impression de pas. Ah oui, d'accord. De voir plein d'ombres. Mais oui, c'est des moutons. C'est des petits moutons. Toi, dégage, le chat. Dégage, le chat, chat mon goûteil. Alors, j'espère que le dernier épisode vous a plu. Pour les personnes regardant ou se remettant peut-être à la série. Ah, par contre, toi, t'es pas du tout bien placé. Et évidemment, le loot est parti à perpète. Hein. Hop. 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 Putain, c'est moi qui suis dans la merde là. Recule 2, c'est bien, mais pas tout le temps. Poum. Poum. Du coup, je sais pas trop où ils sont morts en fait. Ouais, c'est ça qui est chiant. Je sais pas vraiment où ils meurent. J'ai pas l'impression qu'ils aient looté des trucs. Alors c'est moi qui suis aveugle, hein. Peut-être que je vois pas, mais... Moi, bon, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, c'est pas grave, on en a encore là. Donc de toute manière, toi tu dégages. Aïe, aïe, les zombies, c'est pas très très gentil tout ça. Moi je suis plutôt un mec sympatoche. 11, 11 x 3, 33, ça nous fait 33 poudres d'os. On pourrait augmenter un petit peu les statistings. Hein. Oui, j'ai dit statisting. Et si ça pose un problème à quelqu'un qui vient de me le dire en face, parce que... J'ai l'impression que voilà, vous permettez des choses quand on parle dans le dos des gens. Et moi j'aime pas vraiment ça. Moi je suis un mec franc qui parle en face. Parce que. Putain, nique ta mère! Nique ta grand-mère. Non, pas avec une torche, ça ne marchera pas. Toi dégage. Toi t'es mort. Et toi mange tes morts. Bon, est-ce que t'as looté quelque chose cette fois? Ah, là il y a des loot. Là il y a du loot. Et quand il y a du loot, eh ben. Biloute, il est quota. Oh putain, j'ai recul aussi avec cette merde. Ça m'en nul recul en fait. Reviens là, dit-il en lui tirant dessus. Ouais. C'est bien, c'est que tu lâches un os. 14, ok. Bon. On va déjà essayer avec ça. Et si besoin, on retournera chasser des squelettes. Mais là, je pense que ça me fait pas mal de poudre d'os. Ça m'en fait 42. C'est la réponse absolue. Ce nickel chrome. Comme le navigateur. Allez, allons faire pousser cet arbre de malheur pour enfin commencer notre maison dans cette nouvelle région, cette troisième région. Je rappelle qu'il y en a plus de 3, exactement combien? 5 plus le nether, je crois. I think. Alors, est-ce que tu vas pousser, toi? Non!
tel qu'une pute. Alors, on va tenter autrement. Hein. Comment ça, deux? Ah, oh, je me disais aussi. J'ai presque eu peur. Et là, tu pousses. Ah! Ouh! Better! Better, 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 better! Ok, là, c'est mieux. Là, il y a moyen de construire quelque chose. Salut, toi. Et là, je vais prendre un petit peu d'underman. Ça, c'est bien, par contre, j'ai vraiment la bonne zone, en fait, pour chasser l'underman. Je peux leur péter les dents. Easy sa mère et récupérer de l'underpearl. Easy sa maman aussi. Ça me perturbe vachement en fait, cette espèce de faille moche là. Et il crie après être mort, c'est pas mal. Hop. Oui, je suis un petit peu tatillon sur les bords. Je suis un mec comme ça, je pense que vous le savez maintenant depuis le temps. Je sais, vous m'avez oublié. Je sais, j'ai un peu de mal à reprendre le YouTube game. Je sais, mais vous inquiétez pas, j'ai des plans secrets. J'aimerais en avoir. J'aimerais en avoir, mais à part compter sur ma bonne volonté qui, je l'espère, durera longtemps. En espérant que tout se passe bien. J'ai pas vraiment de plan de secours. Allez. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, je te mettrai la misère. Ah, donc nous avons deux beaux arbres. Comment on organise ça? Bonjour, je me disais bien que vous ronronniez derrière moi. Tiens, brûle. Brûle, Satan! Alors, il me faut... Évidemment, j'ai pas récupéré de liane. J'ai pas récupéré de liane, hein, parce que je suis un petit poukung. Et il faudrait que je fasse un petit four. Un petit four. Et je ne parle pas de la muse-bouche. Des petits fours. Vous le dites si je vous exaspère, hein. Il est fort possible que j'en exaspère plus d'un. Voilà, est-ce que tu sais parler, connard? Je me parle à moi-même, hein. Je ne me permettrai pas de vous insulter de connard. Quoique, mais c'est pas encore prévu au programme pour le moment. Alors, toi, t'as rien à faire là. Enfin, si, mais... Hop. Allez, je sais que tu peux le faire. Je sais que t'as le bras long. Merci. Tiens, tu vas continuer à pousser, toi aussi, ok. Alors, du coup, on a plein de poudre d'os en réserve, c'est pas mal. Et nous allons nous faire une petite échelle déjà pour prendre de l'altitude une nouvelle fois. Et essayer de trouver un moyen de rendre ça chouette et sympatoche. Ça ne veut rien dire. J'aimerais bien réussir à le foutre là, ça va être très compliqué. Fuck. 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 Comme un fuck. Non ! Je vais mourir. Ça serait très embêtant également de mourir. Arrête, arrête de bouger. Ah, c'est bon. Ah, intelligent. Ça a marché. Comme sur des roulettes. Hop, voilà. Allez. You can do it. Ouais, bon, évidemment, là, tu ne peux pas, mais... L'intention était noble. Et... Hop. Hop. Et hop. Ok. Waouh. Donc encore une plus belle vue et on se rend compte que... Bah c'est vide. C'est super vide. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire une belle maison qui en jette? Sachant que les deux arbres sont de taille inégale déjà. Ce qui me pose pas vraiment de problème hein, au passage. Normalement, je peux me laisser tomber comme ça, tranquille, easy, easy. Comment je peux faire? Ou alors... J'ai une idée peut-être incongrue et peut-être un peu trop élevée pour mon niveau. On va essayer de visionner. On a deux arbres à deux hauteurs adjacentes, avec potentiellement trois plateformes exploitables, si on n'en crée pas artificiellement. Pourquoi pas faire un escalier, par exemple, qui partirait de là, qui monte en spirale jusqu'à la première plateforme, première salle, il fait le tour, il continue, deuxième plateforme, et paf, il finit en haut, troisième plateforme. Ça ferait un escalier qui fait... et qui monte en spirale. On va essayer, hein. Je dis pas forcément que ça va fonctionner, non pas que je doute de mes capacités, mais très légèrement. Ouais, j'ai envie d'essayer un truc comme ça. Et du coup, avec des salles plateformes,
Allez, on va faire ça. En plus, on a plein de bois normalement, ce qui est pas mal. On a pas mal de bois pour servir nos besoins. Ouais. J'ai eu une petite vision. Donc, Echo, j'espère que tu es d'accord avec moi. Si c'est le café, Ian. Ou baisse la tête, ouais, ça me va aussi. Alors, on va commencer. Je pense que l'escalier va faire tac, on va monter là à droite et paf, tout de suite on va partir sur la droite. On va faire ça au feeling. On va faire ça au feeling, vous savez, je vais pas me prendre la tête. You know me now. You know I'm just a guy who just don't give a fuck about everything. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, je suis un homme doté de talents vraiment géniaux en architecture. Et je ne m'en cache pas loin de là. Et arrêtez de vous baigner, vous, derrière. Putain, il fait pas beau, là. Il fait pas beau. Allez, 40 escaliers, ça me paraît déjà pas mal pour commencer. On va continuer à transformer. Tac, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave non plus. On va faire de la demi-dalle, bien évidemment. Toujours avoir une bonne dalle sous la main. Une boîte de dalle, les cisages, j'en ai pas besoin. Ok, donc déjà on a de la dalle, on a de l'escalier et après les contours en bois brut, je ferai. Alors, est-ce qu'il y a un juste milieu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, nickel. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. J'ai dit nickel, mais non, pas du tout en fait. 8 moins 2, 6, 3 et 3, oui, 6. Alors attendez, 1, 2, 3, donc, normalement c'est ça. Oui, si, c'est bon, c'est juste moi qui suis stupide comme d'habitude. Alors, là ça sera vraiment une petite plateforme. Ou alors elle part comme ça au milieu. Allez! Ouais, je vais me tenter des trucs là. Là, je sens que je vais m'improviser des trucs. Je vais m'improviser champion du monde d'architecture. Champion. Champion of the world. Of the universe, comme dirait. Comme on dirait. Master of the universe, comme dirait Queen. Master of the universe. Non, 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 non. Pas trop que je fasse dans les aigus quand même, j'ai des voisins. Alors, paf. Oui, je vais utiliser une technique dite de bois brut et de bois classique pour pas non plus que ça fasse trop fade au niveau des couleurs. Valérie m'a toujours dit, sois attentif à tes couleurs et les couleurs seront attentives à toi. Chose que je fais, bien évidemment, je respecte ce que me dit Valérie. Ma dodoche, hein, ma petite dodo, toujours respecter Valoche. C'est important, c'est indéniable et c'est surtout vraiment très utile. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. Donc on va partir par là maintenant. J'ai envie de me faire un truc qui pète le style, quitte à de toute façon péter du bois à fond. J'en ai plein, je m'en balance. Je m'en taponne le coquillage. Voilà, donc là on va continuer. Ça me plaît moyen là en fait. Ça va être très compliqué au niveau de... J'aurais dû continuer un petit peu plus. Sorte de passer sur le côté et d'arriver sur la première plateforme, ouais. I need to continue... To continue un petit peu de construction, ça faisait longtemps comme ça au moins. Pour ceux qui aiment la construction, vous allez être servi aujourd'hui par Jackie... Pardon. Vous allez être servi sans aucun problème de par mon skill et mon talent indéniable pour l'architecture gréco-romaine. Non merde. Hop, pour l'architecture gréco-romaine, pas du tout. Donc là c'est bon. Et du coup, ouais, 4. Ouais, vas-y Jean-Philippe, mets en 4. Mets en 4. Hop, hop. Et là on part. On part et on ne s'arrête plus. Évidemment, je n'ai plus de terre, mais c'est pas grave. On peut la récupérer, bien évidemment, parce que nous sommes charpentiers professionnels. Ça fait déjà 15 minutes presque qu'on est ensemble. Le temps passe vite sur des épisodes courts, en plus j'en suis navré. Mais c'est plus intense, c'est plus d'action. Plus d'action, hop, alors ça donne quoi? Et là on tourne ici. Ok, je vois la chose.
Je vois l'escalier. Je vois l'ascension. Hop. Donc là, on monte. Hein. On monte. No fucking respect. On monte non-stop. C'est fait pour ça, les escaliers. Toc. Je pense qu'on peut monter encore jusque là et on fera des grandes barrières aussi qui tombent, qui touchent au sol, histoire que ça fasse pas des escaliers flottants. Un peu comme dans la première maison de l'aventure continue. On va monter encore, toujours, 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 toujours plus haut. Comme disait, toujours plus haut, toujours plus haut, je sais plus. Et ce n'est pas très important, mais c'était sûrement important, ça devait quand même être une personne très respectable, malheureusement, j'ai oublié son nom. Hop là. Oui, monsieur, dame. Oui, monsieur, dame, je suis architecte d'intérieur, d'extérieur et surtout, j'aime le caribou. J'ai plus de terre, bien évidemment. Est-ce que j'en aurais pas dans mon backpack? Oui, j'ai de la terre dans mon backpack. Dans mon backpack. Reviens là. Ta mère. J'ai toujours de la terre dans mon backpack. Pour continuer le chemin. Au final, j'aurais pas dû faire de demi-dalle parce que je vais faire ça avec un chemin tout ce qu'il y a de plus classique. C'est plus joli. Les demi-dalles, c'est peut-être plus pratique. Mais c'est pas forcément aussi joli. Aussi jojo, comme on dit. Hop. Hop. Mon voisin est rentré. J'entends sa douche. Enfin, le léger filet d'eau couler. Ruisseler le long des murs. On va mettre un petit peu de tort juste là, histoire de... qu'il n'y ait pas de mob, en fait, tout simplement. Voilà. Bon. Alors, voyons voir. Est-ce que ça s'annonce plutôt bien? Pour le moment, ça va. Ça va, ça va être tranquillou. Ça fera pas un effet spirale-spirale, parce que, voilà, ça, je suis pas... Je vais pas faire de spirale-spirale, mais ça fera une espèce de carré grimpant. Carré plongeant, comme disent les filles dans leur coiffure. On va récupérer un petit peu de terre quand même. Ça me ferait grandement plaisir de ne pas la gâcher. Donc on va utiliser de la terre pour récupérer de la terre. Ce qui me semble plutôt logique. Alors. C'est vrai que je me suis pas trop fait chier sur les intérieurs des maisons. Je me suis pas fait chier du tout en fait. J'ai pas fait de cuisine et tout. Ça y est, j'ai le retoqué. Ça fait une heure que j'ai mangé. C'est l'heure de la digestion, c'est ça. Je suis pas trop fait chier sur les intérieurs, mais en même temps, je peux pas être partout. Ok, donc on arrive à la première plateforme. Maintenant, je voulais partir par où, du coup. Ouais, c'est vite fait une plateforme, ça, en fait. C'est très très vite fait une plateforme, en fait. Plateforme qui est là, et après, du coup, on repartirait là, et on monterait jusqu'en haut. Ouais, ça fait spirale vite fait, quoi, mais... Mais l'intention est louable, l'intention est noble, si je puis me permettre. Alors, par où on va repartir? Par où on va repartir? C'est le moment réflexion, le moment intense de l'épisode, si je peux dire. Faudrait que je reparte. Ouais, voilà. De toute façon, ça va être plat, en fait. Je suis con. Autant que je mette directement au niveau des escaliers. Parce que ça va être plat. Ça va être plat. Je sais pas encore si je vais remplacer avec du bois ou si je vais laisser en feuilles. Si je laisse vraiment la nature. Après, c'est, comme je vous l'ai dit, je fais pas spécialement un environnement... un intérieur des plus décoratifs. Donc je peux bien laisser en herbe, ça devrait pas poser beaucoup de problèmes. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Auquel cas je m'en excuse, c'est que j'ai vraiment du mal à calibrer le son, je sais pas pourquoi. Voilà, nickel. Donc là on peut du coup poser les prochains escaliers et le début du... Enfin la suite si je puis dire. La suite incongrue et inconcevable de ce petit escalier, cette petite maison... Cette troisième habitation, dirons-nous. Troisième habitation aux couleurs de la jungle. Hop, on va mettre un petit peu de sol. Hop, encore, plus fort.
Moi, c'est bien, je suis content, on a eu un deuxième arbre assez haut quand même. Hein, il faut se le dire, il faut pas se cacher, il faut arrêter de se voiler la face maintenant. Il faut arrêter de se voiler la face et se dire les choses en face, comme des bonhommes. Parce qu'on est des bonhommes, c'est ça qu'on est nous aujourd'hui. On est des putains de bonhommes. Hop, et on va monter. On va monter, on va monter. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop, et hop, et hop, et hop, allez tous en cœur, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, ah, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, ah, tout, 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 Non, je suis pas du tout assez haut, il faut que je continue encore un petit peu. Et après, je pourrais faire une zone d'atterrissage. Mais je vais pas avoir assez de bois, bien évidemment. Hein. Enfin, je vais pas avoir assez de. Hop, on va mettre un petit peu de lumière pour éviter que ça pop. Putain, le con. Parce que j'ai sauté même sans réfléchir. Je suis complètement con, je suis complètement fou. Je suis complètement jeté. Hop, 20 escaliers, je pense que ça devrait le faire. On a combien de temps? 22 minutes de vidéo. On va essayer de rejoindre la plateforme supérieure. En tout cas, ça va, pour monter, c'est pas trop long. C'est plutôt rapide même. On va rejoindre cette plateforme que nous atteignons bientôt. Et ça serait intéressant de monter d'encore, je pense, 2 niveaux. Hop, ouais. Prochain niveau, ça devrait le faire. Hop. Encore un. C'est que ça fait un long escalier du coup. Ça va faire des longues rambardes qui vont tomber, mais c'est pas grave. Hop. Et du coup, on va mettre les bûches. Si je tombe, je meurs, je pense. Je pense que je me fais très sévèrement mal. Je sais même pas si j'ai chute d'amorti sur mes bottes. Pas du tout, en fait, j'ai pas de. j'ai pas d'enchantement. Ça, c'était pas très malin. Captain débile. Ok. De la terre, c'est ma terre où je m'assoie. Aïe, 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 ma rivière, l'eau que je boye. Ok, et on va défricher cette petite zone également. En évitant de tomber dans les trous suspects et les plus piégeux, genre eux. Je vous avais vu, bande de vermines, bande de vipères. Voilà. Attends, il n'y a plus qu'à espérer que ça ne se détache pas, tout simplement. Sinon, je vais faire boom. En tout cas, voilà, on a une belle vue. On a un début d'escalier, un semblant de début d'escalier. Enfin, on a fait l'escalier. Ouais. Alors c'est pas trop spirale, mais la chose que je voulais faire est plutôt respectée. Après il va y avoir peut-être des... Est-ce que je mets des grandes barrières? Est-ce que je mets des lianes? Peut-être des lianes à la limite, ça va pas trop supporter, mais au moins ça cachera le fait que ça se suspend dans le vide. Ou alors combo, petite barrière qui soutient juste en dessous les escaliers, je pense. Qui tombe un petit peu mais qui touche pas au sol. Enfin je pense qu'on va faire des trucs de déco assez sympathiques. En tout cas on s'arrête là pour l'épisode numéro 39, bientôt la 40e dizaine. Bientôt l'épisode 40, déjà. Pas du tout, ça fait plus d'un an que j'ai commencé, donc c'est pas du tout déjà en fait. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers un commentaire, vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, le Twitter. Et les autres réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo. Je vous invite à cliquer dessus et à me rejoindre. C'est une gaulerie quotidienne et monumentale. Ça ne veut rien dire. Je dis beaucoup de choses qui ne veulent rien dire. En tout cas, je vous fais plein de bisous sur vos fesses et sur le bout du nez. Gros bisous de grand-mère, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye. Salut la compagnie. Ciao. Je viens de me rendre compte que j'ai quitter le jeu au lieu d'arrêter l'enregistrement.